Ouh, hop là, pas trop loin, hop, merci. Salut les mecs, putain, je suis content de vous retrouver, j'ai le patron. Ça fait du bien. Les vacances, c'est terminé. On reprend le rythme des vidéos. Pour ce faire, j'espère déjà que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre famille, tout ça, enfin tout le merdier, les foie gras, le boursin, le saumon, voilà, tcha. Voilà, tout ça, chut, nouvelle résolution, je vais courir, je vais aller, voilà, hein, bon, enfin, chacun fait ce qu'il a envie. Bref, pour nous, nouvel épisode, enfin, nouvelle série même, j'ai envie de dire, parce que là, on va faire une petite série, la bricole, c'est quoi? J'ai déjà expliqué un peu sur mes lives. En gros, comme on va faire plein de petits trucs maintenant aussi, de temps en temps, je vais faire des épisodes où ça sera marqué la bricole et en description, il y aura marqué ce qu'il y a dans ces épisodes. Comme ça, au moins, si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à jeter un œil, vous le regardez, machin. Si t'es nouveau sur cette chaîne, ben voilà, je me présente, je m'appelle Bam, je restaure un samouraï, un lit 9D. Donc voilà, hein, si tu veux t'abonner, te faire plaisir, tout ça, tu peux y aller. Hein, alors on y va. Maintenant, on va changer de format aussi. On va passer, avant de faire un off en fin de vidéo, on va passer en première. Avant la vidéo, je vais expliquer direct ce qu'on va faire et les petits conseils. Alors là, du coup, la bricole, sur ce premier épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser un plafonnier au plafond. Ça, c'est cool, parce que le mien était mort. Vous allez voir, bien sûr, pour les plus anciens d'entre vous, vous savez qui c'est le coupable. Je vous laisserai le mettre en commentaire. J'en suis sûr que vous avez déjà le nom. Voilà, il est venu me sucer de trois petites choses depuis le début que j'ai ce 4x4. Après, on va mettre l'interrupteur. Je vais vous expliquer en gros comment brancher l'interrupteur. Vous savez, celui qui éclaire mes barres LED et tout, je l'ai enfin reçu, tout ça. Je vais mettre aussi un isolant. Alors, je ne sais pas si phonique, chaleur. Moi, je l'ai mis en fait au-dessus du capot. C'est un isolant, vous savez, style NASA. Parce que comme ça chauffait avec la peinture, je voulais pas que ça me fasse une couleur mate ou si ça chauffait la peinture Raptor au-dessus, donc j'ai mis ça au-dessous. Voilà, moi ça me sert qu'à ça. Dernière petite chose, pensez à vous abonner sur Instagram si vous avez des questions. Et j'ai fait aussi, parce que vous êtes plus en plus à me rejoindre sur Instagram et à me poser des questions pour non seulement bah, les convertisseurs, les farlettes, les barlettes. Donc j'ai décidé de mettre, là je suis en train de refaire toutes mes vidéos, enfin les descriptions, vous inquiétez pas, je mets les liens, mais non, dans les vidéos, les liens d'où j'ai acheté les produits. Donc n'hésitez pas, même sur les anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Normalement, il y a les liens affiliés Amazon, donc c'est des liens, c'est ceux que j'ai acheté moi, que j'ai testé moi, et ça n'en est pas d'autres. Donc vous pouvez cliquer dessus, ça me donne aussi un petit coup de main entre parenthèses, que ça on peut faire plus de projets, plus de conneries, et puis on y va, allez c'est parti putain. Là, cet épisode, comme vous avez pu le voir, je l'ai appelé la bricole. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne me reste que des petites choses à faire dessus. Donc, au lieu de vous faire une seule vidéo en vous disant comment brancher ça, voilà, et ça casse les couilles, on va faire plusieurs petites choses. Ça sera marqué en description les trucs que j'ai fait dans la vidéo, par exemple l'isolant, le machin, le truc, voilà. Donc, je vais faire des petites séries. Quand j'ai pas des grosses pièces ou des grosses choses, ça sera une playlist où il y aura marqué, enfin des épisodes, la bricole. La bricole, c'est quoi par exemple? La bricole, ça va être ça, d'installer ça là-dessus. Voilà, ça va pas prendre beaucoup de temps d'installer aussi ça. Je vais vous expliquer un peu, voilà, la petite chose qui va aller là. Ça, on va le faire aujourd'hui. Après, on va aussi installer là-dessus l'isolant là qui fait partie de la bricole. Donc voilà, la bricole, ça va être les choses comme ça. Ça va être les rétroviseurs, ça va être les pare-soleils, les machins, les trucs. Pour le pare-choc arrière, on fera qu'un seul épisode. Et là aussi, il y aura aussi l'installation de ça, qui est une bricole à faire, c'est pas non plus ouf, avec le câblage. Donc voilà. Ça sera un peu les nouveaux épisodes qui s'appelleront la bricole. Donc voilà. Je pense que c'est mieux au moins de voir un peu tout. Pour voir si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à lire la description et dessus je mettrai un peu ce que j'ai fait dessus. Donc voilà, à la base. Bon les mecs, il y a un truc vraiment énorme. Je vous explique.
Donc du coup, pour récupérer l'ancien câble qui a été rongé du plafonnier là-bas. Ce câble, en fait, il passe le long de la traverse là. Vous voyez ici, là-dedans. Il arrive là, vers les ceintures. Il remonte le long là. Donc moi, ma section c'est, qui était grignotée, c'était celle qui était là-dedans. Donc il faudrait repasser un câble de là à là. Et comme vous pouvez voir, ça va être galère. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé, vous savez, les aiguilles d'électricien. Là, dans la portière, j'ai pu mettre la main là-dedans, dans la garde de la ceinture. Et elle est passée direct. Regardez ça, ça c'est là pour que je joue l'auto ou je sais pas. Vous voyez, elle est ressortie et je suis arrivé à l'attraper vers les enceintes. Donc là, c'est cool. Je vais pouvoir accrocher mon câble. J'accroche mon câble, je le tire et on va raccorder. On va commencer par ça. On va tester cette connerie, on va essayer de remettre de la lumière là-dedans. Allez, c'est parti. Bon, là, faut pas que ça se détache. On va essayer d'assurer le truc. Secret, c'est d'essayer de faire un truc où il n'y a pas de point dur. C'est-à-dire que cette truc-là ne peut pas taper. Donc ce que je fais, moi, c'est que je fais un espèce, voilà, je l'accompagne bien pour que ça fasse pas un angle brut qui pourrait se coincer. Après, ce que je vous raconte, c'est dans la théorie. Parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai absolument pas fait du bon côté. Voilà. Ah putain, quel gland. Ah là là. C'est ici, il faut pas qu'il se coince. Mais honnêtement, le reste, je pense, ça va aller. Mais ce que j'avais vraiment peur, c'était passer ce câble. Donc allez. On y va, on y va. Donc là, vous voyez, il se tire là-bas. Hop. Espérons qu'il va pas se coincer. Et voilà. Parfait. Donc là, j'ai mon câble. Ok, je vais pouvoir faire mes raccords et raccorder à celui-là. Là, je vais tout bien couper un peu plus loin pour désoxyder. Faire raccord. J'aurais été vraiment chaud, j'aurais retiré jusqu'à là-haut. Et je t'avoue que j'ai un peu la flemme. C'est vraiment, ça marche pas. Mais là, celui-là, c'est celui qui était rongé par les rats sur toute la longueur. Donc là, je vais raccorder mon câble ici. Petite soudure là. Et après, on monte là-haut, on essaie de repérer les câbles. Donc voilà, ça je vous en parle juste après, une fois que c'est installé, que ça marche, pour voir si ça vaut le coup et où vous pouvez le trouver. Allez, c'est parti, petite soudure. Soudure minute. Donc ça, c'est les câbles du 4x4. Donc je les ai coupés un peu plus loin pour pas qu'ils soient oxydés un petit peu. Voilà, tac. Moi, je chauffe par au-dessous, en fait, si vous voulez, je vais emmener le... Voilà, comme ça, moi, c'est sûr que ça rentre facile. Oui. Moi, ce que je me sers, c'est de la buse, là, le refouloir, en fait. Vous verrez que si un jour, vous avez un truc comme ça, vous mettez votre doigt, vous allez comprendre que ça chauffe bien. Donc, j'ai commencé à tirer ça. Donc, j'ai vu que là, voilà. Après, il y a eu un raccord de fait là. Et après, il y a encore un raccord de là. Donc, on va bien changer tout le câble. Bon. Ça, tu vois, c'est les vestiges de l'ancien ratatouille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper. Pour que ça passe le mieux possible. Et on va essayer de s'accrocher après ça. On va s'en servir de guide pour aller jusqu'à là-haut. J'espère que ça va marcher parce que ça foire. Je sens que ça va être compliqué là, l'histoire après. Ok. On va essayer de pas le faire trop épais parce qu'apparemment là-haut ça merdasse un peu. Donc on va abuser un peu sur le gaffeur, le barni. On va aller bien loin. Je préfère galérer à l'enlever que. Bon. Ok. Maintenant, prions. Prions le Seigneur, je te le dis. On tire. Donc déjà. Et ça va venir. Ah, oui, parfait. Ça c'est le genre de truc qui fait vraiment plaisir. Et ouais, parce que regarde-moi cette histoire là. Donc il y avait une masse avec qui était là, je la repiquerai là-dessus. Hein. Ok. Bon, ok. Donc là, j'ai tiré un petit câble pour faire une masse. Tu vois ici.
Hop, j'ai repéré mes lignes. Donc tout fonctionne. Donc c'est parti. Allez, on va souder ça. Je vais essayer de pas trouer le siège. Ça serait vraiment cool. C'est vraiment nul ce que je fais. Je le sais. On va venir par là. Là, il y a rien qui marche. J'espère qu'il est sur off. Oui. On. Ça marche pas. Ça marche pas. Pas mal, hein. Là, déjà, tu vois, on est bien. Ok, là, ça marche. Et là, normalement, l'autre côté marche aussi parce que la porte est ouverte. Ok, on est bon. Voilà les rats. Vous pourrez vous faire un nouveau festin là pour le 31. Vous allez vous régaler. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Vous voyez, si vous faites votre repérage et que quand vous faites l'autre bande, vous voyez que ça marche pas. Vous êtes obligé de faire le repérage avec toutes les bandes connectées si vous voulez que l'autre fonctionne. Autrement, vous aurez rien du tout. Vous voyez, si je lâche le bleu, le rouge en haut, ça marchera pas. Ok ? Ne faites pas comme moi. Enfin, si vous pouvez, si vous avez envie. En même temps, après, je vais vous dire le prix de cette chose. Je pense que vous n'allez pas me croire. Ah, j'ai brûlé l'étain, il n'a pas collé. Il est là. Ouais. Alors, je vais vous dire le prix du plafonnier. Même moi, je dis, allez, on essaye. Parce qu'au final, c'est une carte mère. Et de la et des LED hein. Donc voilà. Bon, suspense. Parce qu'on s'est foiré cette fois. Oui. Et oui. Parfait. Bon, maintenant, il faut faire entrer tout ça là-dedans. Et là, crois-moi, ça va être un peu la folie. Avant que j'ai fait du mou. Alors, on va essayer de pas d'arracher tout. Moi, je veux que ça se bloque dans ce sens. Ok. Okay. Alors c'est lui là qui va emmerder un peu tous ses potes. Alors lui j'ai dit que j'allais le boucler et le faire passer comme ça. Alors, tu voulais de la bricole, moi je t'en donne. Alors, ça là-dedans. Oh putain les gars, regardez-moi ça. J'ai de l'éclairage dans le SAM. On va tester tout de suite la porte avant pour voir si ça s'arrête. Alors, oh, petit éclairage. Ok. Et maintenant, si je le mets en position porte. Ok. Ouais, il clignote un peu parce que le bouton, il est pas chaud chaud. Allez, on va essayer de s'attaquer maintenant à ça là. Pas encore trop nuit, on va essayer de placer ça correctement et tout. Alors là on va installer les boutons. Donc les boutons, tu vois, normalement quand ils fonctionnent, tac, ils s'allument en rouge. Donc il va falloir que je repique des masses là et là déjà pour faire l'éclairage du bouton. Je vais vous expliquer, ça va être les contacteurs. Ça c'est pour la porte arrière et celui-là je vais le laisser en attente. On verra ce que je mets, si je mets un autre truc, moi j'aurai un bouton d'occasion. Une place de bouton. Parce que le ventilateur, je pourrais bien le mettre là pour faire le délire, mais je vais acheter la sonde et j'en aurai plus besoin de ce bouton. Donc déjà je vais brancher ces deux comme il faut. Je vais vous expliquer comment faire pour qu'il s'allume, parce que il y a trois positions. Il y a un plus, un moins et le contact. Comme ça en fait le moins sert à allumer en rouge ça. Donc là le truc c'est qu'on va essayer de le mettre ici. Donc vous voyez là, je pourrais le visser comme ça, hein. Ça serait chouette. Hein. Mais clairement il y a le rond, puis là il y a une barre, c'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de limer un peu là, parce que vous voyez il tape, pour le descendre un peu, pour qu'il soit un peu au-dessous quand même, pas trop dans l'arrondi, parce que ça fait un peu... Enfin moi j'aime pas la section comme ça. Ok, donc pour ça, on va prendre un Dremel, et puis on va aller lui défoncer sa mère. Ça veut dire qu'on se fait chier pour un bouton, mais quand même. Voilà. Ah putain, parfait. Nickel. Là, j'ai plus qu'à retordre mes petites pins
Ici et ici. Ok. En vrai, on va. Ouais, celle-là n'est pas encore bien tendue, mais là, déjà, j'ai la bonne hauteur qu'il me faut. Ok, les gars. Bon, alors là, brancher les neurones. C'est simple. Le bouton qui est là, là, les trois fils qui arrivent là, bleu, blanc, noir. Ça, c'était mon faisceau pour ma barre LED. Donc celui-là, c'est celui qui active la barre LED et les phares auxiliaires sur les côtés. Ça, c'est des interrupteurs à trois positions. Donc là, il y a la coupure, si vous voulez. Le plus continue, et il se coupe entre lui et lui. Et ça, c'est le moins. Et le moins, en fait, vient se brancher là. Lui, en fait, le moins sert à allumer la petite LED qu'on voit là, vous voyez, ici. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai récupéré le moins d'origine du faisceau et je l'ai ponté en 3, 1, 2 et 3. Comme ça, déjà, ils ont tous la coupure maintenant. C'est-à-dire que ça, c'est mon phare auxiliaire arrière, celui-là. Donc là, il y a le plus. Et là, il y a le moins. Comme ça, même quand je l'allume, hop, ça vient s'allumer là. Donc voilà, c'est rien de compliqué. Là, je l'ai fait aussi. Là, pour l'instant, j'ai rien. C'est si au cas, j'ai un autre truc à brancher, au moment, il sera fait. Donc voilà. Prenez déjà le moins, vous le repiquez sur les trois. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre votre coupure. Du plus, là et là. C'est marqué en plus dessus. C'est vraiment un jeu d'enfant. Allez, maintenant que tout est serti, tout est bien, tout est propre, on va aller y encadrer. Enfin, y encadrer, qu'est-ce que je raconte? On va aller y visser. Ah, joli. Eh ben voilà. Putain, c'est chouette. Ça. Bon, lui, je l'ai pas branché pour l'instant. Tac. Tac. Là, je mettrai un nouveau sticker pour les phares. Mais voilà, il y a tout qui s'allume. Ma porte de derrière. Et forcément, le devant. Ok. Eh ben, nickel. Bon, on va ranger ce merdier et on finira l'isolation demain parce que là c'est le merdier. Donc voilà, là je prends ça, le truc thermique, là je découpe ça pour pas que la batterie ça touche les deux et on va aller le coller. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer un peu le moteur vu les températures qu'il y a, et comme ça là c'est un petit peu chaud et là c'est un petit peu chaud, donc ça au moins on est nickel. Que je vais faire maintenant, c'est que je vais le nettoyer un petit peu. Donc je le nettoie, oui, je le nettoie un peu comme ça, hop, pour enlever un peu les merdes hein, qu'il y a dessus. Voilà, moi j'ai pris de l'alcool à 90, mais prenez ce que vous voulez. Prenez pas de White Spirit parce que c'est un peu gras quand même. Et l'alcool à 90, vous mettez un petit coup comme ça vite fait, et puis on va gentiment. Donc voilà, je mets un petit coup pour la forme. Après, de toute façon, ça va se coller, ça colle super bien ça. Donc ça, vous inquiétez pas, là-dessus, il n'y a pas de soucis. Hop. Voilà, je nettoie un peu de partout. Et en plus, avec la chaleur, à chaque fois, ça va se coller, je pense, facilement. Parce qu'une fois qu'il va être en température, ça va être sympa. Donc, voilà. Hop là. Maximum. Alors, j'ai jamais collé ça de ma vie. On va voir comment ça va se passer. Ok, donc là j'ai fait un petit trait ici pour le centre. Là, ça je sais que je vais le mettre ici et après ça sera à peu près centré. C'est pas une science exacte, mais on va voir comment ça va se passer. Comment je vais coller ça, j'en sais rien. Donc on va se prendre un énorme fail dans la gueule. Ah non, ah oui, bon matos. Oh là là, oh là là, oui. Oh putain, ça va être dégueulasse. Ça va être ignoble. Bon, on va essayer de le prendre par ailleurs. Je pense que si les deux se touchent en même temps, c'est terminé. À mon avis, il est cuit, le machin. Attends. Je vais juste regarder un truc, parce que si ça va dans ce sens, on va le faire dans l'autre sens, on va pas se faire chier. Ouais, que moi, il arrive là, avec tous les plus durs, les merdiers. Allez, en gros, on va dire qu'il arrive. Ouais, je vais faire ça. Ok. Faut que je fasse gaffe à la batterie, que ça touche pas là-bas. J'ai mis un petit cache par-dessus, mais... Tu vois, ça c'est le genre de truc où j'ai dit bah on va le faire entre poteaux, ça va bien se passer. Et en fait ça va être une merde. Ça va être une merde, ça va être une merde. Allez. On va essayer de le mettre par là, on le centre.
faire mort par là. Parce que là, ça va. Là, on a la traverse de ce côté. Là aussi, la batterie, elle passe. Là, j'ai deux petites mains pour essayer de l'aligner ici. Voilà. Voilà, voilà, et voilà. Ok, bon. On a presque fini. On peut le laisser comme ça. C'est un peu la merde. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'attraper le merdier derrière. Voilà, j'ai l'impression qu'il est parti que d'un côté. Ouais, parfait. Voilà. Voilà. Ouais, si. Ouais, voilà, ça se passe. Ah, c'est pro. Ah, c'est pro. Voilà. Voilà. Attendez. Ouais. Presque. Ah, ça, si je peux virer d'un coup. Ah, dégage. Et dégage. Ok, bon voilà, bah, à partir de là, je pense qu'on est bien. On va juste prendre les formes, on va essayer de pas d'enlever la pige. Je vais pas se le prendre en pleine tête. Voilà, là, on est bien. Et puis pour la côté de la batterie, comme je voulais. C'est pas mal droit. Voilà. Je vais décoller un peu pour lui donner. Ah, fais gaffe, c'est fragile un peu. Hein. Apparemment, quand même. Voilà, je vais le déchirer sans faire exprès là. Voilà. Donc là, il y a bien l'espace pour la batterie. Donc c'est quand même cool. Là, la batterie au moins, ça touchera pas. Je vais le coller un peu. Ah bah je comprends, forcément ça n'a pas trop collé. Ça me restait un merdier. Voilà. 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 Par contre ça a l'air de bien coller quand même les gars. Je vous le dis. Ah ben voilà. On est bien. Bon. C'était pas super compliqué à faire. Hein. Mais au moins, maintenant, je suis quand même plus confiant au niveau de la peinture. Non, c'est pas la même épaisseur. Voilà, ça c'est fait. À savoir que je crois que j'ai perdu mon cutter là-dedans. Donc je vais essayer de regarder où il est tombé quand même. Non ? Alors ça va. On va essayer de recacher le plus hein, pour pas que ça fasse des arcs électriques de Jésus. Voilà. C'est fini hein, ça voilà, on aura un petit retour de cette expérience, en tout cas ça c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est collé, c'est fini, c'était en deux secondes. Maintenant je vais faire tourner un peu le moteur pour que ça chauffe un petit peu, et je pense que ça va se mettre en place tout doucement, on va voir. Ah, ça a l'air d'être bon matos. Petit coquin, oui, j'ai pas mis la vidéo du phare arrière parce qu'elle est bien trop longue et je vais vous faire un épisode juste pour ça, parce que le branchement et tout, c'était compliqué de le raccourcir, c'est dommage. Donc tu attends et elle arrive bientôt.